choix tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais ça fait longtemps que ça me fait mais bizarre de parler à la caméra, mais je vous raconte pas le truc là, je suis j'ai l'impression d'être une folle et à parler à ma caméra. Ouais, c'est ça, je suis une folle. Donc soyez quand même indulgente hein, sur le fait que je bafouille pas mal de fois, donc ça fait trop bizarre. Me revoilà de retour après des années d'absence. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez. Mon chat est dans sa litière, qui a fait du bruit. Bah, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, me revoilà de retour et en meilleure forme. J'étais absente pendant des années. Vraiment désolée. Que dire, honte à moi. Bah alors tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année, que tous vos projets se concrétisent en tout cas, et tout ce que vous n'avez pas pu faire en 2014, j'espère que vous allez les accomplir en 2015. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir la santé, c'est le plus important. Bah alors, les raisons pour lesquelles j'étais aussi longtemps absente, bah, c'est tout simplement que voilà, j'ai eu des petits soucis, on va dire, personnels, hein, on va dire. L'environnement a changé, donc maintenant je suis chez moi, dans mon chez moi. D'ailleurs, c'est un petit peu le bazar chez moi. Hein. Là, je suis encore en train d'aménager mon chez moi, et donc là, bientôt ce sera terminé. Et du coup, je serai bien. J'ai déménagé, donc maintenant je vis seule, donc je suis célibataire, hein, malheureusement, c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Je vis avec mon chat. Regarde la caméra, tata. Oh, oui. Je suis une célibataire endurcie, peu en mode single ladies, hein, comme Beyoncé. Et puis, bah, je suis très bien comme ça, je suis très heureuse comme ça. En tout cas, psychologiquement, je vais beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir sur YouTube et de vous faire partager en même temps. Mon quotidien et puis voilà, pour puis revenir surtout à mes passions, et puis j'espère qu'en tout cas ça vous plaira, parce que il va y avoir pas mal de changements en tout cas sur ma chaîne. Je vous en dis pas plus quand même, parce que j'aimerais garder ce secret secret, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Comme vous pouvez le voir, capillairement j'ai changé, donc là j'ai des extensions et ça va en décevoir pas mal. Maintenant je m'en fiche, c'est mon choix. J'ai arrêté le naturel. Pourquoi? Parce que j'avais une période où j'étais vraiment pas bien du tout. J'étais pas bien. Pour être honnête, en fait, mon année 2014 c'était une année de merde. J'avais pas forcément envie de m'occuper de moi et de m'occuper de mes cheveux. Donc je les ai laissés à l'abandon. À un point où je ne pouvais même plus rentrer un peigne dans mes cheveux. C'était vraiment une catastrophe. Mais une catastrophe capillaire. Et sincèrement, ça m'a facilité la vie comme pas possible. Après, je ne suis pas en train de dire que le naturel c'est pas joli, que le naturel c'est ceci, c'est cela. C'est assez compliqué le naturel, faut dire ce qui est. Maintenant, je ne regrette en rien du tout mes 4 années passées au naturel. Au contraire, ça m'a beaucoup appris. Mais il était temps pour moi de passer à autre chose et surtout d'être bien. Aussi, j'en avais un peu ras-le-bol de passer 4 heures sous ma douche à me faire des shampoings. J'en pouvais plus. J'en avais un petit peu ras-le-bol. Moi je suis pas très aquatique. Hein. Ça m'a un peu changé la vie là, de me laver les cheveux, du coup c'est vraiment plus rapide. Et je sincèrement, voilà, moi je suis pas l'homme de l'Atlantide. Hein. J'aime pas me noyer sous ma douche. Après j'aime me laver. Hein. Bon, attention, hein, je suis pas une crado, ça. Hein. Je ne pouvais plus du tout. J'avais vraiment besoin de changer. J'avais besoin de changer vraiment radicalement. Et j'en suis pas déçue. Puis de toute manière, si jamais si jamais je me lasse de mes cheveux, j'ai qu'à prendre une paire de ciseaux et puis clic, il n'y en aura plus. Bah, qui dit nouvelle chaîne dit forcément nouveau nom. Donc vous me connaissez tous au nom de Manjula. Manjula, c'est celle qui est au naturel. Voilà, donc étant donné que je ne suis plus au naturel. Et puis étant donné que j'ai envie aussi de changer. Hein, 2015, on va dire que c'est l'année du renouveau, hein, l'année de la renaissance.
et bah, j'ai décidé tout simplement de changer mon nom et de m'appeler maintenant Milusine. Alors pourquoi Milusine? Parce que je m'appelle tout simplement Mylène et j'avais envie de donner une petite touche de malice en fait à ce nom, parce que Mylène, je trouve que ça fait un petit peu trop sérieux ou un petit peu c'est libertine. Et donc voilà, je l'appelle maintenant, ma chaîne s'appelle Milusine. Voilà, donc je vous laisse sur ces belles paroles. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo. Ça m'a fait plaisir, en tout cas, de revenir sur la toile. Je tenais vraiment à remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, hein, parce que même s'ils n'étaient pas actives, je voyais quand même qu'il y avait des petites personnes qui s'abonnaient, qui passaient par ma chaîne, qui s'abonnaient. Bon, merci en tout cas à toutes ces personnes-là. En tout cas, je vous promets, en tout cas, d'être beaucoup plus active sur ma chaîne. Et puis j'espère que mes nouvelles résolutions entre guillemets, mes résolutions YouTube vont vous plaire. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée ou soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.